pas dans un caniveau d'eau sale ou une douche italienne. C'est le branchement du lavabo, arrivé du branchement du écoulement du lavabo. Là, c'est le piquage pour rire de sol, douche italienne. Le dessus est démontable et la grille, un petit panier dedans. Je vais vous montrer comment faire un béton lissé. Là, c'est une douche italienne, il y a la bande, la grille. J'ai fait une chape bien grasse. 350 kg par mètre carré, par mètre cube, pardon, bien dosé. Maintenant, je vais poudrer avec du ciment n'importe quel, ciment gris, calcia, la farge. Alors, je vais poudrer, voilà, je poudre. Maintenant, on laisse bien boire. Il a bien bu et bien pris une tourelle. Et vous la passez comme ça. Grossièrement, c'est pas encore la finition. On prend du ciment à poudre, ça du calcia, puis vous aurez pu prendre de la farge qui est plus foncée ou du blanc. On poudre légèrement, il faut y aller par petites couches.
voir et on recommence. Il a bu. Se voir. Ça peut rester comme ça dans une douche, c'est étanche, on passe pas à travers, c'est inusable, ça se lave bien, ça glisse pas. Moi je vais mettre, enfin Pierre va mettre là des galets qui seront coulés dessus, d'accord.